baba, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout de la farine, du beurre, du sel, de la levure de bière, des œufs entiers, du lait, du sucre et de la vanille, l'intérieur de gousse de vanille. Voilà en fait la composition d'un baba. C'est un peu la base de la brioche. Alors, une poche. La fille passe à linge, vous voyez, c'est quand même un petit peu élastique. Le fait de le faire au robot, ça le rend encore moins élastique. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est les laisser lever. Et après, au cuisson. Dès qu'ils seront levés à hauteur du moule, le temps, ils ne sont pas. Ils se lèvent, ce qui permet d'aller. Et le four, combien de temps? Le four, là, ils vont être... 20 minutes à 160, et après ils vont être pendant 30 à 45 minutes à 110 pour les faire sécher. On va prendre la bière avec une orange, un zeste d'orange, zeste de citron, sucre, eau, le rhum. Seulement après, je viens mimer avec ma carrière. Il ne faut pas non plus détruire ce produit. Donc on se retrouve avec les deux. On se retrouve avec le goût de brioche, la brioche du baba. On se retrouve avec le goût de la canne à sucre. Et après toutes les études du Nika. Sur cette palette du Nika, on a un produit qui est transformé, c'est pas sans être transformé, parce que quand on, au départ on voit, on a l'impression d'avoir un qui va nous arracher, alors tout en longueur, très doux, très tendre, très élégant. Et on retrouve la même chose grâce à la crème fraîche et l'ananas. Si je décide de travailler qu'avec, je vais surtout faire ressortir les vapeurs alcooliques de ce whisky. J'aurai le goût acétone et j'aurai perdu toutes ces notes boisées. Ça c'est dommage parce que les notes boisées sont cachées par le baba, par la brioche. Ça il faut pas. En fait, j'aurai un produit beaucoup plus salaire. Alors là, j'ai un produit sur la douceur avec toute la puissance et l'élégance du soir.